Monsieur Tetsuo Nishio, Deputy Director General of the Musée National d'Ethnologie, Chef Intervenant Monsieur Hassan Masoudi et Madame Yuriko Yamanaka, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vous remercie beaucoup d'être venu à la Maison de la Culture du Japon à Paris, malgré le temps mauvais. En tant que président de la MCJT, j'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir ce soir cette conférence, qui est la deuxième rencontre organisée dans le cadre du partenariat entre la Maison de la Culture du Japon à Paris et l'Institut National des Cultures de l'Humanité. Mesdames et Messieurs, la calligraphie arabe est un art millénaire. Elle orne les palais, les monuments et les mosquées de Samarcande à Cordoue. Elle porte les traces des civilisations abbassides, andalouses, fatimides ou ottomanes. La beauté de cet art accompli a su transcender les époques et fasciner des générations d'artistes, tels que Michel-Ange ou Picasso, qui disait que la calligraphie arabe avait déjà presque atteint l'objectif ultime de l'art, la beauté parfaite que l'art occidental n'a cessé de rechercher. La calligraphie japonaise, quant à elle, est un art à la fois noble et très populaire. Elle puise ses racines en Chine, tout comme l'écriture. Elle se développe à l'époque Heian, avec l'aristocratie et de la cour impériale et la littérature féminine. Mais la calligraphie japonaise trouve véritablement sa voie en devient la voie de l'écriture shodo, grâce à l'influence du bouddhisme zen. Sa pratique évolue alors en une recherche à la fois formatrice, esthétique et spirituelle. Nous avons l'immense joie de recevoir aujourd'hui M. Hassan Masoudi et Mme Yuriko Yamanaka. M. Masoudi, vous êtes certainement le calligraphe arabe le plus connu en Occident. Vous êtes l'héritier d'une longue lignée de calligraphes arabes. Formé aux Beaux-Arts en France, où vous vivez d'ailleurs depuis de longues années, et vos calligraphies ont su se détacher des compositions classiques. Elles sont conçues comme des tables uniques où l'équilibre, le tracé, trouve également son inspiration dans la calligraphie japonaise. Madame Yuriko Yamanaka, à vos côtés, est spécialiste de la littérature arabe et persane au Musée national d'ethnologie à Osaka. En sa compagnie, vous ne parlerez ce soir de l'influence de la culture japonaise sur votre art et du rôle de la France en tant que pays passeur entre l'extrême et le Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, que l'on calligraphie avec un calame, un roseau ou avec un pinceau, que l'on écrive de droite à gauche ou haut en bas, nous apprendrons ce soir comment l'on construit des ponts entre les civilisations grâce à ces voies secrètes qu'empruntent les artistes pour briser les frontières et nous révéler la beauté. Merci et bonne conférence. Bonsoir tout le monde.
Je suis Tetsuo Nishio, vice-directeur du Musée national des Monuments à Osaka. Je vous remercie beaucoup d'être venu malgré la neige. C'est un musée, mais en même temps, l'un des instituts de recherche interuniversitaires dont le système est particulier au Japon. On fait des recherches avec l'université et on organise un grand projet de recherche qui s'attache aux Moyen-Orient moderne. 日本と中東地域の文化交流、ヨーロッパ特にフランスを通しての文化交流をテーマにしています。 Le sujet d'aujourd'hui est l'échange culturel entre le Japon et le Moyen-Orient, surtout l'intermédiaire la France. 教講演をしていただくマスーディ先生とは 2004年に私ども博物館で Nous connaissons M. Masudi qui va parler tout à l'heure depuis 2004. Nous avons fait une exposition sur Mille et une nuits à notre musée. Masudi先生は、後で詳しく紹介しますように、イラクでイスラム書道を収めて、パリの美術学校で勉強して、 ある時、日本の書道を見て、大変影響を受けたということです。 On le présente tout à l'heure en détail, mais il a été formé à la calligraphie arabe traditionnelle en Irak, continué ses études à Paris, et il a découvert la calligraphie japonaise à Paris. そういう意味では、フランスで中東世界の文化と日本の文化が出会って、 マスーディ先生によって新しい芸術が生まれたということだと思います。 On peut dire que c'est un art nouveau grâce à des échanges entre la culture japonaise et celle de Moyen-Orient en France. 私どもは大変マスーディ先生のお話を聞くのを光栄に思っております。 On est très flatté d'avoir cette occasion de l'écouter. またこのような催しを開いていただいて、杉浦館長をはじめ、 Et puis, je remercie beaucoup les gens de la Maison de la Culture du Japon à Paris, à commencer par M. Sugiura, le président. Alors, je vous souhaite une bonne conférence. Je vous remercie d'être venu dans ce temps un peu magique et un peu ennuyant aussi en même temps. Et je crois que oui, certains de vous, vous avez beaucoup de problèmes de juste pour arriver ici. Et je vous remercie de, oui, que vous êtes venu à notre conférence ce soir. Et je remercie M. Sugi, directeur Sugiura, pour l'introduction, très belle introduction à notre événement. Alors aujourd'hui, c'est le premier jour d'une série de conférences que nous allons avoir sur le French Orientalism and its applies in Japan and the Middle East. Et le 9 et le 10, on va avoir une petite colloque ici. Et je remercie la Maison de la Culture du Japon à Paris pour donner cette occasion de faire notre rencontre. Et je suis très honorée d'être ici avec vous, M. Hassan Masoudi, que je connais aussi depuis 2004, quand vous êtes venu chez nous au musée pour faire une très belle démonstration de votre calligraphie. Et je suis très heureuse d'être l'intervieweur pour
parler un peu de votre art. Et alors, peut-être quelques-uns de peut-être l'audience, la plupart de vous, vous vous demandez pourquoi la calligraphie arabe à la maison de la culture du Japon. Mais alors, on va parler pourquoi. Alors, on va parler de l'influence de l'art et de la pensée japonaise dans votre art. Alors, voilà, c'est ça. C'est intitulé « En France, l'Orient s'est révélé à moi ». Et c'est une phrase que j'ai prise de votre livre, que j'aime bien. Et voilà, on va parler de ça. Mais avant, je voulais juste faire une petite introduction de notre musée. Et comme nous avons votre, quelques offres dans notre musée, je voulais juste montrer d'abord. Alors, comme M. Michio a déjà parlé de nous, je vais souhaiter ça. Alors, nous sommes au musée. Institution de recherche aussi bien qu'un musée et avec des salles différentes par région et moi et M. Michio et d'autres collègues nous occupons de la partie d'Asie d'Ouest, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Alors pour nous l'Asie d'Ouest c'est le Moyen-Orient, pour nous de notre point de vue c'est l'Ouest. Alors nous avons une section. Alors nous avons une section sur la religion et une très belle kiswa qui est une sorte de pas de zélo, mais qui couvre le Kaaba à Mecca. Et dans cette section nous avons une section sur l'écriture arabe et la calligraphie. Et c'est là que nous avons. Oui voilà. Ça, c'est vous. Et des outils de calligraphie traditionnelle arabe et quelques calligraphies de M. Hassan Massoudi. À côté de ce qui est intéressant, ça, à côté gauche, nous avons la calligraphie arabe, mais faite en Chine. Alors, c'est sur un rouleau et c'est fait, ils sont faits pour les musulmans en Chine. Alors, c'est ça aussi, c'est une sorte de... il y a un point de similarité voilà, entre... C'est la même lettre et oui. Pratiquement la même littérature. Voilà. Mais alors, c'est là que nous avons exposé votre œuvre. Je suis très honoré, merci. Merci. Alors, d'abord... Alors justement, oui. En voyant cette image, j'ai oui. Dit, vous êtes vraiment très intuitif parce qu'il y a 15 ans que vous avez fait cette image, le canal était gelé. C'est pas aujourd'hui, c'est il y a 15 ans. Oui. Alors, nous avons fait un petit film sur M. Massoudi et on va d'abord, c'est un film de quelques minutes, on va faire parler... Monsieur Massoudi d'il y a 15 ans, et vous allez voir, comme ça vous allez voir comment il travaille dans son atelier, et les outils, et les mouvements, et alors je vais juste, voilà. C'est votre ancien atelier Non, les mêmes. Pas les mêmes, c'est un atelier. Chaque fois que je fais une calligraphie, je le répète au moins 10 fois pour trouver une qui est bien. Donc vous allez voir que ça se répète maintenant. Paris ni sumu Islam shogouka Hassan Massoudi san. Alors notez bien que M. Massoudi utilise deux outils un peu différents, très différents. On va parler à un détail, mais vous pouvez noter déjà que maintenant il utilise le roseau, oui, le qalam arabe, et d'abord
de pinceau. Cette phrase vient de Mille et une nuits qui dit « Quand les jours permettent la retrouvaille et je retrouve ceux qui j'aime. » Je l'ai calligraphié d'une façon moderne et rapide. Je suis né dans le sud de l'Irak, dans une ville entourée de déserts, et jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai vécu dans cette ville qui s'appelle Najaf, et c'est là où j'ai commencé à faire la calligraphie. Et quand j'ai vu que ce que je fais, ça intéresse le public, en 1961, à l'âge de 17 ans, je me suis migré à Bagdad. Et à Bagdad, j'ai travaillé la calligraphie comme apprenti chez des grands calligraphes, et j'ai resté à peu près 8 ans à faire la calligraphie. Et j'ai appris le style, la tradition de la calligraphie arabe. Et je suis venu en 1969 à Paris, j'ai rentré à l'école de Beaux-Arts de Paris, j'ai resté 5 ans. J'ai étudié l'art occidental et j'ai fait la peinture comme tout le monde. Mais en même temps, je n'ai pas délaissé la calligraphie. J'ai continué à faire la calligraphie. Alors c'est comme ça, un jour, je me trouvais à la chapelle de la Sorbonne en 1979 et il y avait 100 calligraphes japonais qui sont venus pour le festival d'automne pour faire une démonstration de calligraphie japonaise devant le public. Et j'ai resté toute la semaine, c'était une semaine entière, à regarder ces calligraphes qui calligraphient très large avec leur pinceau. Et je me suis dit, mais moi je travaille avec un calame tout petit, pourquoi ne pas prendre une brosse très large comme les balais et faire de la calligraphie? Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la calligraphie moderne grâce aux calligraphes japonais. Moi je calligraphie des textes sur un appareil qui le projette sur un grand écran. Et j'ai continué comme ça, après avec la poésie, il y a des poèmes qui viennent de Mélanie, qui évoquent les nostalgies, l'amour. Et puis évidemment, il y a les grands classiques, des thèmes utilisés dans la poésie arabe, qui sont la générosité, le bonheur. Il y a des thèmes variés que j'ai continué dans ma calligraphie. Pour expliquer ce qu'il y a dans ma calligraphie, ce qui me conduit, évidemment, c'est la ligne. Faire une seule ligne, mais que la personne qui regarde, vous trouvez la vie dedans. Ce sera ma démarche jusqu'à la fin de ma vie. J'essaie de trouver. C'est des parties qui sont coupées dans le dialogue. Quand je dis j'ai fait sur un appareil qui fait une projection, c'était un moment avant, on parlait d'un spectacle où j'écoute un chanteur ou un danseur, puis je fais de la calligraphie qui est projetée sur l'écran. Donc, c'était pour. Vous avez fait avant des événements comme ça, un peu très dynamiques. De travailler comme ça, en public, vous avez eu l'idée en voyant des calligraphes japonais. Et vous êtes venu, comme vous avez parlé dans le film, vous êtes venu à Paris pour étudier aux Beaux-Arts l'art. Oui, depuis que j'étais adolescent, j'ai eu l'air de peintre, mais la vie a fait toujours que j'ai fait la calligraphie. Quand j'étais adolescent, pour moi, la calligraphie, c'est pas de l'art. Maintenant, il y a beaucoup de personnes dans le monde arabe ou islamique qui pensent que la calligraphie, ça vient du monde de l'artisanat. Et pour eux, l'artisanat, c'est quelque chose moins important que l'art. Donc, il y a une séparation. Et moi, j'étais un peu aussi, c'est l'ambiance générale, mais je voulais être peintre. Donc, je voulais abandonner la calligraphie. Et c'est comme ça que je suis venu à l'école de Beaux-Arts de Paris. Mais après que vous êtes venu à Paris, vous avez découvert l'autre Orient. Oui, c'est
La première révélation, c'était à l'école des Beaux-Arts, où on parlait de, à l'époque des peintres qu'on les aime, Gauguin, Van Gogh, et tous ces peintres, ils étaient, ils regardaient les estampes japonaises et ils s'inspiraient. Avant, c'était, si on fait le visage, il y a un côté la lumière, un côté l'ombre, on fait le relief, et même les estampes japonaises, à plat, il y a des traits noir qui entoure la forme, et ça simplifie, ça évoque une autre voix. Et moi, c'est ces peintres qui m'ont fait d'abord la première fois l'art japonais. Il y a Klimt, il y a Manet. Voilà, c'est à partir du japonisme des grands peintres du 19e et début 20e siècle que vous avez découvert le style. Différent, qui n'est pas... Et mes dernières années au Beaux-Arts, j'ai fait des peintures à plat, un peu inspirées des estampes japonaises. Et puis, chaque fois, il y a une forme, une figure, un être humain, entouré de traits noirs, et puis les couleurs sont à plat. Mm-hmm. Et c'était après que vous avez vu les calligraphes japonais? Non, c'est avant, parce que moi j'ai quitté l'école des Beaux-Arts en 75 et j'ai resté entre 75 et l'année que j'ai vu les calligraphes japonais, c'est le 79. Donc 4 ans j'étais à la recherche des voix. Et là, cette rencontre avec les calligraphes japonais à la chapelle de la Sorbonne, c'était très fort. Je me suis dit, mais c'est ça, ils sont en train de lancer le souffle et nous, on retient notre souffle par nos calligraphies. Je ne dis pas qu'il y a une calligraphie mieux que l'autre, mais chaque calligraphie a quelque chose de différent. Nous, avec le kalam qui est en bois, un instrument en bois, on appuie sur le papier, tandis que le pinceau, elle est aérienne du coup. Si on veut très foncé, on appuie très très fort. Si on veut très mince, on effleure le papier. Et puis le calligraphe, du coup, il comme s'il danse. Il va faire un autre tracé sans s'arrêter. Nous, on n'a pas ça. On travaille lentement. On travaille comme si c'était un petit bijou. On prépare des croquis. On pense au blanc, qui est le vide, qui est entre les lettres, et puis on peut corriger même à la fin. Tandis que la calligraphie japonaise, non, on jette les souffles sur le papier. Voilà. Alors la différence des outils, pour la calligraphie traditionnelle arabe, vous voyez ici, ce sont des calames, on dit c'est fait, ce sont des roseaux, et vous taillez vous-même. Oui, chaque fois qu'on commence, on taille. Mais il y a un handicap important pour le roseau, c'est qu'on ne peut pas faire très large. Uh-huh. Et chaque fois, c'est sur mes langues de calligraphie arabe, quand le calligraphe avait envie de faire du corps du monument très large, mais il va le calligraphier avec le calame, et puis elles vont agrandir ça avec le dessin, c'est-à-dire le redessin. Mm-hmm. Ce n'est pas un geste instantané comme ça. Mm-hmm. Vous avez découvert que l'outil complètement différent que le style traditionnel. Oui, il y a une phrase qui vient de l'Orient, c'est de calligraphe de l'Orient, qui dit quand l'idée se trouve au bout du pinceau, pas la peine d'aller au bout de l'idée. Mm-hmm. Alors je me suis dit, donc le pinceau, elle a des idées. Et c'est comme ça, j'ai travaillé plus avec des brosses carrées, coupées carrées, pas comme celle-là. Mm-hmm. Et puis j'ai essayé de dire, je retourne à ma calligraphie, comment je fais une calligraphie large? Alors j'ai pris des instruments que j'ai inventé moi-même, un bout de carton, ou je prends un morceau de bois, puis je l'entoure avec des moquettes, je trempe dans l'encre et je calligraphie d'une façon qui ressemble au calame, mais très large. Alors dans un carton normal, comme un peu plus. C'est un peu dur, et... comme ça. Alors là, dans le film, vous avez vu que M. Massoudi utilisait une brosse carrée comme ça, large,
Mais vous utilisez aussi des outils très simples, très... Oui, j'ai voulu trouver le tracé de la calligraphie arabe, qui a une certaine vigueur que je ne trouve pas dans le pinceau ou la brosse. La brosse me donne la liberté, mais là, je voulais quand même retrouver le calame, mais d'une façon différente. Plus large. Oui. Alors oui, on parle un peu de la différence de technique entre le... Parce que, je ne sais pas, parmi vous, il y a des gens qui font la calligraphie japonaise, mais peut-être pas, vous n'avez pas vu comment... Quelle est la différence entre la calligraphie arabe. Alors je vais montrer, ça ce sont aussi des... C'est des calligraphies que j'ai fait il y a une trentaine d'années, mais j'ai passé beaucoup de temps. Comme je dis, on regarde pas que le noir, on regarde les blancs à l'intérieur et on le travaille comme si on travaillait un bijou. Ça prend beaucoup de temps et il faut dire que la calligraphie arabe a commencé, on peut dire, au 9e siècle et a terminé au 19e, le style classique. Et aujourd'hui, on cherche de différentes voies qui correspondent à notre voie. Mais ces genres de compositions, ils sont inspirés de calligraphie du 19e siècle. Mais ça prend du temps très très long. Quand on ne peut pas faire plaisir dans un mois, on doit y penser, on fait des croquis, après on le travaille millimètre par millimètre très lentement. On termine, des fois, quand on termine, il y a plein de factures de fin du mois, on dit mais comment je vais vivre en faisant des calligraphies comme ça. Dans le passé, c'était le sultan qui fait les commandes et qui enlève les calligraphies. Je me rappelle d'une phrase, un sultan qui dit à son calligraphe, qui s'appelle Hafez Othman, il lui dit, Hafez, est-ce qu'un jour il y aura un calligraphe comme toi? Il lui dit, oui, il y aura un calligraphe comme moi, si il y aura un sultan comme toi qui tient l'encrier pour son calligraphe. Et aujourd'hui, je ne vois pas un sultan dans nos pays arabo-islamiques qui tient l'encrier pour un calligraphe. Donc, on n'achète plus le calligraphe classique, donc il faut être aussi dans la vie. Je dis, ça, c'est l'aspect très bien de terre à terre, mais quand même, du point de vue philosophique dans l'art, il faut toujours renouveler, il faut toujours ajouter l'influence de l'époque. Alors ça aussi c'est plutôt le style classique arabe fait avec le calame. Vous allez voir, vous pouvez comparer avec des autres œuvres que je vais montrer après, que les lignes sont très denses et très travaillées. Et très travaillées, et aussi le rythme du mouvement, c'est beaucoup plus... C'est pas un geste comme ça rapidement, c'est vraiment... D'ailleurs, au 19e siècle, les grands calligraphes, quand ils font une composition, ils font du croquis, et puis après, ils font un relevé de ces croquis qui les soient bien sur des pots de gazelle très fins, très transparents, comme du papier calque. Et puis après, ils vont perforer les contours de chaque tracé. Et il les met sur une autre feuille et il tapote avec un petit sachet de poudre noire. Et donc ils ont des signes où ils devront y aller. C'est pour ça que moi j'ai trouvé la calligraphie japonaise. C'est une libération pour moi parce qu'on dépasse tout ce côté technique très rigide. Voilà, alors on rentre dans l'influence du style. Calligraphie ou style de l'art japonaise. Alors ça c'est le très connu œuvre de Sengai qui est dans le bar 5, le cercle, le triangle et le carré. Et vous avez fait aussi ici, c'est inspiré par Sengai. Oui, alors Sengai, j'aime beaucoup parce que un jour je cherche des phrases, j'ai trouvé cette phrase qu'il a écrite. Le monde était éphémère, mais je suis joyeux. Le monde est éphémère, mais je suis joyeux. Et je dis, qui c'est Sangue? Puis après, j'ai trouvé cette image qui représente les éléments. Le carré, c'est de la terre, le triangle, le feu, et puis le cercle, c'est l'eau. Et moi, j'ai dit, mais ça m'intéresse. J'ai donné pendant une trentaine d'années beaucoup de stages de calligraphie.
Et j'ai donné ça pour les personnes qui participent avec moi. Je leur ai dit, il y a tous les gestes de la calligraphie. Si vous, normalement, l'instrument, on l'a orienté dans notre calligraphie méditerranéenne, soit en calligraphie latine, hébraïque et arabe, à peu près, l'instrument doit être orienté 45 degrés. Et donc, on peut faire des lignes droites qui descendent, qui montent, et vont en diagonale ou le rond, pardon. Donc, il y a tous les gestes. Si quelqu'un voulait s'exercer, c'est le plus simple motif pour l'exercice. Et puis, en parlant tout le temps comme ça, je rentre dans mon atelier, je fais cette calligraphie. Et je dis, mais il y a le cercle, il y a le carré, puis il y a un petit triangle derrière. Donc, ça rentre un peu en moi. Et ça m'a rappelé une phrase de Matisse qui dit « Je suis fait de tout ce que j'ai vu. » Donc, style japonais, ce que, qui vous a inspiré, c'est les dessins de Hokusai. Vous avez dit que vous avez vu une exposition. Voilà, alors, il y avait une grande exposition à Paris en 1980. Elle s'appelle Hokusai et son temps, au Centre culturel du Marais. Et il y avait beaucoup de choses, dont 219 dessins comme ça de Hokusai, qui dit, il a dit, c'était en 1843, il a dit, chaque matin je me lève, je fais un dessin. Et à la recherche de quelque chose à l'intérieur de lui pour le trouver. Et moi j'ai trouvé, c'est ça que je cherche. J'ai dit, là il y a le côté graphique, et il y a des gestes calligraphiques et il y a l'image. Comme ça, et puis il y a l'image un peu figurative. Alors, après une année de voir des calligraphes japonais, où j'ai resté juste à faire de la calligraphie, là, je vois des images, cet animal, voilà. Et ça m'a donné l'idée de pouvoir continuer à faire de la calligraphie, mais je dois cacher une image à l'intérieur. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais... Alors, par exemple, oui. Comme ça, ici, vous avez le cercle et le carré, mais le triangle, c'est un peu comme une... Redessiner. Oui, c'était pour vocation de profondeur, parce que moi, j'ai appris à l'école de Beaux-Arts, tous les peintres cherchaient sur une surface d'étoile. Provoquer la profondeur. Et il y a des personnes qui le font avec une simplicité, comme le peintre Turner anglais, on voit le ciel, des brumes, et puis un rond qui représente le soleil loin. Donc avec des moyens très simples, on arrive à provoquer la profondeur. Et là, j'utilise souvent cette petite calligraphie pour que la personne qui regarde les traduit dans son cerveau que c'est derrière les gestes. Voilà. Alors c'est voilà, comme ça. Et on voit aussi ici aussi, c'est un peu une profondeur, l'animal est derrière voilà. Le mouvement un peu des bains ou le mouvement calligraphique. Et voilà. Et, alors vous êtes inspiré par cette sorte de. La composition et aussi en même temps la simplicité et l'espace. Et puis la liberté dans les gestes, on le voit ici. Et vous pouvez voir, ça c'est une phrase de Schiller, un exemple de. Je l'ai traduit en arabe, oui. Du moins la joie, je l'ai agrandie. Et donc j'utilise une brosse coupée carrée. Il y a un peu d'influence de Hokusai, on vient de voir. Et puis, cette petite calligraphie traditionnelle, que je répète le même mot. Voilà, il y a deux styles. Celle de bas, c'est le style Kufi. Oui, voilà, c'est très ancien. Et puis, il y a derrière, ainsi qu'on appelle le Divani. Derrière, c'est Divani. Oui. Hein? Et ici, c'est Masuri. Voilà. Et alors, c'est un mot que... Je l'ai réécrit, c'est-à-dire que j'essaie de faire une composition qui évoque quelque chose de géométrique derrière. Et il y a certaines lettres
je le fais petit parce qu'il n'y a pas de place, comme, comme ici, là, vous voyez là. Ici. Non, celle-là. Là. Oui. Voilà. Ça, c'est. Il y a la première lettre, celle de droite. Le deuxième. Donc, le deuxième à côté. Le troisième, c'est tout petit. Et puis, le dernier, très grand. Parce que si je mets, je l'écris avec la même brosse, ça va être lourd et ne donne pas cette légèreté que je veux. Donc là, c'est une voix de Schiller, mais alors on va venir de technique au contenu. Vous êtes aussi, vous avez pris beaucoup de contenu de votre art et inspiré de la poésie japonaise. Oui, en s'approchant de cette technique qui m'a émerveillé, ben, je tombe sur des livres où il y a des fragments poétiques. On m'a dit c'est l'haïku. Je trouve ce fragment poétique qui évoque une image. Mm-hmm. Et donc, j'ai commencé à chercher ces phrases. Mm-hmm. Certains, j'ai les gardé. Alors, vous prenez des mots ou des phrases. Des traductions françaises dans des livres. Oui, moi j'ai lu en français. Oui. Il faut que j'apprenne le japonais. Mais de français que vous traduisez vous-même en arabe, oui. C'est ça. Oui. Oui. Et vous mettez les phrases en arabe original ici. Et puis, je prends un mot ou deux mots, je l'agrandis pour créer quelque chose culturel dans l'espace. Voilà. Et une autre que j'aime beaucoup, ça aussi, c'est un haïku de Issa, Kagebo Shimomame Sokusai de Kesa no Haru, qui est traduit en français ici par Maurice Coyot, je crois. Vous avez pris le. C'est le mot printemps. Le printemps. Oui, mais quand je regarde au printemps, les fleurs ne sont encore pas ouvertes. Il y a cette fermeture comme ça. Je me suis inspiré de fleurs. Donc, le mot printemps et montre à l'intérieur des petites calligraphies l'évocation de cette image. C'est un livre, la fleur au printemps. Là, c'est un carton très large, je peux utiliser des fois large de 20 cm ou plus. Le plus large instrument que j'ai fait, c'était 50 cm. J'ai pris un morceau de bois et j'avais des moquettes en laine, je l'ai agrafé au-dessus. J'ai acheté un bec de chat, j'ai mis blanc comme des dents. Et j'ai trempé ma bois dedans. Je fais des grands papiers par terre. Il y en a une qui est restée pendant des années accrochée au théâtre de Colombes. Mm-hmm. Une grande calligraphie qui fait 3 mètres sur 5 mètres. Et celui-là, la plupart de vos œuvres, c'est à peu près 60 centimètres. Oui, j'ai utilisé un format de papier égal à un peu au buste de l'être humain. Je dis comme ça quand je les expose. Que les personnes vont les regarder, il y aura quelque chose. Il faut qu'ils s'approchent pour voir, pour lire les textes. Je mets la traduction en crayon en bas. Mm-hmm. Et j'ai aimé beaucoup ce format. J'ai resté une trentaine d'années à utiliser ça. Maintenant, j'utilise un peu de toile, 1 mètre sur 1 mètre. Et là, c'est la même chose. Il y a le mot le printemps, mais j'utilise deux instruments, une très large, une plus mince, et puis un calame qui fait des petits motifs qui vont provoquer les fleurs qui vont sortir. Ce sont des fleurs qui ne sont pas encore épanouies. C'est la promesse de la. Il y a aussi de mon côté, je vois une sorte de une rivière ou
Mais si vous voulez, il y a, souvent on ne peut pas parler de ce qu'on fait, et des fois c'est quand on pense à une chose. Moi je me rappelle au début, j'ai fait plein de calligraphies comme ça, qui font un dégradé. Au début tout petit, puis après ça devient plus large. Pour moi, ça évoque le désert. Et je mets toujours un mot très grand calligraphié ou une phrase pour évoquer un arbre dans le désert, dans ma tête. Et quand je l'ai exposé, il y a des gens qui disent « Ah, moi je vois des bateaux qui vont vers l'Algérie. » Je pense au désert. Moi j'ai vu de l'eau et le dessert. Voilà. Et c'était difficile, comment dire, parce que la traduction, comme vous avez dit, la traduction de la calligraphie japonaise est quand même très différente du style arabe. C'était difficile de fusionner les deux styles comme ça. Et ça... Le fait qu'il y a une image évoquée dans la phrase, c'est ça qui m'attire. Mm-hmm. C'est l'image cachée. Là, quand je lis, il y a quatre mots, cinq mots qui évoquent une image dans le pensée. Et c'est ça qui m'attire. Donc, s'il y a des haïkus, il y a beaucoup que je lis, mais je ne vois pas d'image, ou je n'arrive pas à le voir comment je peux l'utiliser dans mon travail. Mais il y en a certains qui tout de suite, ils me donnent une image. Des lettres, des caractères arabes, c'est des lettres phonétiques, des lettres oui, chinois, c'est idéogramme, mais quand même vous traitez des mots en arabe comme un peu comme une image, comme un... C'est, en fait, je me rappelle quand j'étais à votre musée et j'ai fait ma démonstration, il y avait des personnes qui me disent: vous parlez de l'influence de la calligraphie japonaise dans votre travail, mais on ne le voit pas. J'ai dit oui, mais je ne vais pas copier le motif de signes japonais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette liberté dans les gestes, cette apparence de forme qui je vois là-haut, du côté, du bas. Dans ma tête, il y a des éléments qui passent. Bon, c'est très difficile de le rappeler par des mots, mais dans l'écriture arabe, on a des lettres. Mm-hmm. Et chaque mot à côté d'une autre, il faut le redessiner en permanence. Mm-hmm. Tandis dans les signes japonais, c'est répété, le même. On le répète, il y a plus d'énergie, moins d'énergie, mais... Mais c'est le même signe. Si on dit les montagnes, sûrement vous avez le même, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, vous écrivez les montagnes. Le même. Nous, ça change parce que il y a des styles différents, mais il y a aussi où se trouve le mot à côté d'une autre, ou avant ou après, ben, il faut le redessiner. C'est pas une image photographique. Dans ma tête, il y a une image qui évoque cette phrase, mais c'est entre, c'est assigné image peut-être. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà. J'ai pas pu trouver la phrase originale de Takwan, qui veut dire: ce jour n'aura pas son semblable, chaque instant est un joyau inestimable,
C'est une phrase très zen. Si quelqu'un dans l'audience peut me dire quelle phrase il est, peut-être vous pouvez me dire après. Mais là, c'est un peu, oui, peut-être. Alors souvent il y a des phrases comme ça, il y a certaines personnes qui ont laissé une phrase ou du poète qui en parlent toujours oralement, mais quelqu'un l'a écrit un jour. Moi ça m'est arrivé de trouver une phrase de Socrate, j'ai trouvé à Bagdad, qui dit la chute, c'est pas un échec, l'échec c'est de rester où on est tombé. J'ai aimé beaucoup cette phrase, elle est positive. Mais ici, je ne l'ai pas trouvé en Europe, dans un livre ou dans une référence à Socrate. Donc c'est quelqu'un qui l'a noté, et puis à l'époque, il y a 1000 ans, il est descendu vivre dans les pays arabes parce qu'il y avait beaucoup de Grecs qui venaient faire la traduction, parce qu'au début de l'islam, l'administration était en grec. Et donc, il y a beaucoup d'intellectuels grecs qui venaient vivre à Damas, à Bagdad. Et quelqu'un qui a laissé cette phrase. Grec, en arabe. Et là, peut-être la même chose. C'est comme ça, fait quelques siècles. Oui. Mais maintenant, je crois que j'ai calligraphié une fois par an. Et il ne faut pas oublier celle-ci. Et les couleurs Alors, on a vu déjà des calligraphies étaient en bleu, en orange, ça aussi, c'est Le bleu, c'est souvent, ça m'arrive parce que la ville où je suis né, j'ai resté à l'âge de 17 ans, c'était tout en terre, en ocre, en briques. Et il y a au centre un grand monument en bleu turquoise, bleu outre-mer, plein de bleu. Et c'était de céramique qui couvre le lieu quand on entre, comme si c'était la mer. Et il y a la lumière qui vient, un soleil très très fort, qui voit la lumière sur cette céramique, une sorte de céramique. Il y a une partie de la lumière qui pénètre à l'intérieur et une autre partie reflète à nos yeux. Quand on entre, on est ébloui. Et je dis peut-être c'est depuis l'enfance, ces images de bleu vont rester chez moi parce que c'est vrai, je l'utilise beaucoup. Alors, comme ça, on voit très bien que c'est vraiment une fusionnement de l'art et l'architecture du Moyen-Orient, de l'Irak, et les phrases qui viennent de moines japonaises et le style très. Il y a ce qui est, ça m'a aidé à continuer ma création. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes, je vois, qui voient un peu ce genre de style et commencent à voir, même dans les biennales de calligraphie qu'on a fait dans les pays arabes, une partie des calligraphies modernes. Il n'était pas il y a 20 ans. Et il y a des calligraphes qui s'intéresse au street art, tous ces gestuels qu'on voit dans le rue, ou des genres de travail que je fais. Et voici, c'est une couleur très différente. C'est un proverbe japonais, je n'ai pas trouvé l'origine pour celui-là non plus. Ah, c'est le peuple qui n'écrit pas. Et si je tu dis, veux avoir des fleurs, ne coupe pas les racines. Moi, je l'ai trouvé quand je fais des fois des ateliers avec des enfants de banlieue. Ils aiment bien cette phrase parce qu'il a dit il faut ne pas oublier cette phrase, ses racines, mais en même temps être ouvert sur la culture du pays où on vit. J'ai trouvé une phrase, médium en japonais qui avait l'autre, un sens complètement à l'inverse, c'est-à-dire si les fleurs, on peut. On peut avoir des fleurs même si la racine est coupée. La beauté de la fleur est là même si la racine est coupée. Et j'ai trouvé ça, mais c'est pas complètement à l'autre sens. Mais oui, voilà. C'est peut-être des gens de samouraï. Alors là, c'est un fleur. Oui. Oui, voilà. Alors là, vous avez ici une rouge, orange. Ça, je
aussi il y a une vingtaine d'années, quand je suis venu un jour au centre littoral japonais, j'ai vu qu'ils vendaient de l'encre, c'est ni rouge ni orange. Et après, on m'a dit c'était les calligraphes japonais utilisent cette encre pour corriger les travaux de l'exilien. Donc j'ai fait quelques œuvres avec cette bouteille d'encre. Alors c'est de l'encre japonais, on appelle ça shu, c'est ni rouge, ni... c'est un peu rouge, orange, voilà. En ce moment on voit des fois cette couleur, elle est magnifique, mais c'est pas que les qualités différentes, c'est quand on trouve vendu dans les commerces ou fabriqué par les artisans eux-mêmes. Je ne sais pas à partir de quel pigment je le fais, il faut... C'est souvent du poids d'un pays à l'autre, on trouve des matières différentes. Ça, c'est aussi, c'est plutôt, il y a beaucoup plus de petits détails derrière. C'est de la haiku no Issa, Kuno Shabaya Sakura ga sake basai. Le monde de l'or est de peine alors même que les cerisiers sont en fleurs. Alors ça, ici, c'est le mot... Le mot douleur. Douleur. Oui. C'est pas vraiment l'image de cerisier, mais c'est plutôt... Oui. La douleur. Le moment où je vois une image dans ma tête, des fois, ça arrive le contraire de ce qu'a voulu dire le poète. Mais l'essentiel, que ça me guide à travailler. Chaque matin, on est dans le flou, on ne voit rien. La plupart des peintres, ils sont comme ça. Surtout les peintres chercheurs. Et à un moment, quand on trouve quelque chose, c'est comme si on était noyé, puis on attrape une branche. Alors, on y tient. Mais je ne vais pas illustrer les phrases. Je ne vais pas faire un vrai cerisier. D'ailleurs, on a un cerisier dans le jardin, mais je ne crois pas qu'elle donnera quelque chose trop partout. La prochaine, j'aime bien celui-là, c'est vraiment le noir et blanc et le rouge, c'est vraiment, on voit l'influence de la calligraphie japonaise. Oui. Et c'est une... Yamaguchi Sodo, Ware o tsurete, Waga kage kaeru tsukiyo kara. Alors c'est une poème sur l'ombre et soi-même. Alors, et l'instrument, oui. C'est un instrument dur, hein, c'est pas une grosse. Parce que le papier verger, le granulé. Oui, alors vous voyez les rayures. Les rayures, et on va très bien, vous utilisez très bien aussi le grain de papier. Je ne peux pas travailler sur le papier japonais. Mm-hmm. Je me rappelle M. Nishu qui était tout à l'heure à parler, il est dans la salle, m'a amené avec un jour dans l'atelier d'un calligraphe japonais. Et il y avait des papiers de riz. Mm-hmm. Et moi, je n'arrive pas parce que dès qu'on ralentit, ça c'est très, très fin. Hein, alors après, ils m'ont cherché des papiers de la photocopieuse. Mais ça montre qu'il y a des choses quand même, elles restent authentiques pour l'expérience d'un peuple. On ne peut pas le voler. Hein. On peut s'influencer, on peut s'inspirer, mais il reste quand même, chaque art, il a ses propres éléments. Mm-hmm. Alors, moi, j'ai pensé que c'était du papier japonais, mais c'est un peu plus épais. Oui. Et pour que vous puissiez travailler c'est un carton, c'est ça? Oui. C'est... Alors parce que si sur le papier de riz japonais, ça va... C'est parce qu'il y a beaucoup d'accidents et c'est pas lisse. Nous, on est habitués à travailler sur du papier presque lisse. Ou s'il y a des grains, ils doivent être ensemble, équilibrés, pas comme dans les papiers japonais, on voit des fois... Des livres, oui. C'est joli, j'aurais bien aimé le faire, mais ça ne marche pas.
trois dimensionnalité. Oui, c'est vrai aussi, la différence entre la calligraphie arabe et la calligraphie japonaise, c'est que dans la calligraphie arabe, doit, si c'est l'encre noire, doit tout noir. Mm-hmm. Tandis en japonais, s'il y a un manque d'encre, on les garde aussi. Voilà. Et ça vient une lumière qui pénètre dans le l'ombre, et en même temps, une évocation comme ce mouvement, comme vous dites, et ça voit que l'épaisseur. Mm-hmm. Mais ça, ici, moi, quand je fais de calligraphie noire, le public n'aime pas. Il me dit, oh, ça rappelle les photos de mes grands-parents, tout noir, accroché au mur, tout le temps. On veut, ça nous fait serrer les cœurs, il faut uh-huh. de couleurs. Uh-huh. Et c'est qui des gens C'est que quand je fais une exposition, des fois, je parle avec le public. J'ai constaté que moi, bon, j'y mets dans chaque expo quelques-unes comme ça, mais pas beaucoup. Mm-hmm. Je vous ai dit tout à l'heure, une fois, j'étais invité au Biennale des chargés sur la calligraphie, et puis ils ont appelé une dame qui dirige le musée d'art moderne de Tokyo mm-hmm. pour diriger cette Biennale il y a 4 ans. Et cette dame, elle m'a dit, je vous donne deux pièces, j'ai exposé une vingtaine d'œuvres, elle m'a dit, je voulais que tout soit comme ça, noir et blanc. Noir et blanc, alors ouais. C'est tout à fait le goût japonais, noir et blanc. Et ça, la prochaine aussi, c'est très japonais, très noir et blanc. Ou c'est bleu, très foncé, c'est ça, ou c'est noir? Des fois, il y a un peu de bleu. Mm. Et ça, c'est un... ça vient d'une anthologie de haïku qui a été publiée en France. Et je ne sais pas très bien la scène des haïku en France, mais peut-être c'est un auteur européen qui a écrit un haïku en français. Alors, c'est pas une traduction. Je trouve que ça ajoute au mystère. Oui. Alors, c'est quel mot dans ce cas-là? C'est A. C'est le souffle. Ah oui, c'est A. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est A. Ah oui. C'est vraiment le... Alors, oui, le souffle, vous avez parlé un peu au début, c'est le souffle, la différence de... C'était, je me rappelle, quel grave qu'ils ont venu Sorbonne. Quand ils font le geste, des fois, ils lancent aussi du souffle et des fois on entend un cri. Parce que, mm-hmm. Tandis que nous, dans notre calligraphie arabe, non, on tient les talents de lenteur et on coupe le souffle. Et quand il faut reprendre le souffle, c'est là on s'arrête, on va l'encrier et on reprend le souffle et on revient, on coupe le souffle encore. Et il y a des phrases anciennes, on dit le meilleur calligraphe, c'est lui qui arrive à emmagasiner le souffle le plus large, le plus dans un poumon, dans le poumon, pour continuer un geste très long. C'est comme si on plonge dans l'eau. Voilà, on met la tête sous l'eau. Il y a des personnes qui peuvent rester, je sais pas, 3 minutes ou plus, et d'autres. Comme moi, c'est quelques secondes et j'étouffe. Tandis que la calligraphie japonaise, c'est plutôt... Oui, c'est un instant. Oui. Et puis, le même calligraphe, il est dans une autre pièce, il va s'auto-refaire là, et il va faire une chose différente de celui-là. C'est vraiment l'influence du moment, ce que j'ai compris. Et j'ai essayé un peu de m'inspirer de cette attitude, je crois. Celle-là, j'ai trouvé sous le trottoir à côté de mon atelier un carton très beau, tout neuf. J'ai pris, j'ai coupé un morceau de carton, et j'ai trempé dans l'encre et ça donnait ça. Donc on peut... comme je disais tout à l'heure, il y a des phrases qui disent qu'un pied d'estrogue
bout de pinceau, pas la pendale au bout de l'idée. Donc, moi je dis quinté d'espoir au bout de l'instrument, parce que chaque instrument, elle peut donner quelque chose. Là, c'est un bout de carton qui a fait sa rayure, qui est une nouvelle écriture à l'intérieur des gestes, à l'intérieur des tracés. Nous, on peut regarder le pouvoir en geste, et on peut aussi s'intéresser à l'intérieur de chaque geste et à une nouvelle écriture. Et derrière ici aussi, c'est des petits, avec le calame. Oui. Avec le calame. Mais moi, j'ai voulu faire le pont entre tous ces instruments qui sont les classiques traditionnels. Arabe, c'est le calame, et les pinceaux, les brosses, l'orgue, votre téjargon chimique. Évidemment, il y a derrière tout ça l'enseignement que j'ai eu pendant 5 ans à l'École nationale des beaux-arts de Paris. J'ai eu un diplôme supérieur dans la plastique. Alors, ça, c'est aussi un style un peu différent. Ça me rappelle de la peinture de paysage chinois ou japonais, Sansuga. Et c'est là, c'est tout le bruit, c'est tout sort de. Jouer un peu avec le flou de l'encre. Ouais. Voilà. J'aime bien les phrases comme ça, il y a quoi, sept mots, mais c'est très dynamique l'image. Il y a la lune qui passe à l'ouest, l'ombre des fleurs s'étire à l'est. Et je trouve là déjà, il y a une dynamique dans cette phrase. Moi, ce genre de phrase, j'ai envie de toujours le refaire à plusieurs fois. Nous avons aussi chez nous au Musée national de technologie à Osaka, nous avons un style complètement différent, mais une calligraphie que vous avez fait avec la même phrase de Busson. Et voilà, c'est le monde. C'est la lune. Oui, la lune. Et là, le fleuve, le mot fleuve. Voilà. Et ça, l'instrument ici, c'est... C'est un bout de carton. C'est aussi un bout de carton. Très léger, oui. Comme un livre, c'est un peu ça, c'est un centimètre. Et comment vous faites le précédent était aussi carton, mais... Non, ça, c'est le carton qu'on jette sur la rue des caisses de carton ordinaire, orange. Donc, il y en a maintenant... On trouve pour des appareils différents très rigides, Donc j'ai coupé un morceau, je l'ai trempé dans l'encre. Bon, c'est vrai, je ne peux pas faire plus d'une ou deux fois, le carton s'abîme. Oui, mais c'est un carton différent. Tandis là, c'est un carton fait avec de pulpe de bois, et très dur. Hein, il peut être comme du bois presque. Il peut être, il donne sa matière tendre. Si c'était du bois, on y aurait des rayures. La même phrase. Oui, la même phrase, mais une position complètement différente. Ici, là, la lune. La lune. Et l'âme à livre, le livre et le lame, c'est la première, c'est le livre, et puis le elfe, c'est-à-dire, normalement, c'est deux lignes courbes, ou deux lignes droites, le A et le L. Moi, je l'ai fait en rond. C'est comme on dit là en français, la lune en arabe, on met le A et le L. Alors ça c'est aussi très différent. Et là on habitait dans une maison hier, il y avait une saule qui nous merveillait tout le temps. Et quand j'ai vu cette phrase, j'ai fait une série de calligraphies comme ça. Il y a beaucoup de mouvements très dynamiques et encore enfin, des petites écritures. Si vous voulez, il peut être le sol, mais ce n'est pas photographique, c'est l'essence de l'arbre. Il est en train de peindre le vent sans pinceau. Je trouve que c'est une phrase magnifique. On voit le vent. Oui. Mais on ne peut pas faire chaque jour quelque chose comme ça, je trouve, moi je suis satisfait. Des fois, il faut répéter chaque phrase quand je vois la première fois. Je le répète une fois par mois ou une fois
chaque 2 mois, puis un jour, il sort quelque chose qui est valable. Vous essayez différentes couleurs avec mes phrases, vous voilà, essayez différentes couleurs, différentes formes. Alors là aussi, j'aime bien, c'est le mot l'homme en arabe, insan, mais comme c'est un peu un jeu d'images, un jeu de mots, parce que le caractère pour l'homme, ton, en caractère chinois, c'est comme ça. Et insan écrit comme ça, ça ressemble un peu le. Ça, par contre, je ne savais pas. Oui, voilà, c'est juste à l'heure, je lui ai dit ça, et c'est de. Voilà, c'est ouais, ça, c'est un petit cadeau de voir comme ça. Le plaisir de découvrir que je trouve une personne. Alors, oui, le mot en arabe, ça ressemble le mot le caractère en chinois, au japonais. Voilà. C'est vraiment une fusionnement. De... Mais là, vous voyez le mot insan en bas. De droite, il y a une ligne de droite. La CCVA, du côté de droite. Moi, je l'ai mis en diagonale. Oui. Et les dernières, avant les dernières, et les dernières, c'est un niveau rond avec un point. Oui. Voilà. Oui, là, c'est, alors, l'écriture arabe, ça s'écrit de droite à gauche. Voilà. Ça. Et donc là, j'ai deux lignes de droite. J'ai pris un, je l'ai mis en diagonale. Ça. Et un autre, je l'ai mis comme la colonne vertébrale. Voilà. Alors ça, c'est I, la première lettre, c'est ici, n'est-ce pas? Oui. Et puis, la deuxième lettre, avec le petit point ici, c'est là. Le petit, comme un vague, comme ça, c'est le S. Et le... La lif A. Voilà. Et la dernière, c'est le nom. Comme ça. Puis je vais faire un rond avec un point. Voilà. Alors ça, c'est les cinq lettres. Mais ça ressemble la lettre. Ce qui est très. C'est vraiment la simplicité. Ici aussi, vous voyez le cercle, un peu le triangle, et un peu le côté carré. Et c'est vraiment... J'aime bien la sérénité, l'équilibre, la balance. C'était inspiré par votre visite à Kyoto en visitant les jardins zen à Kyoto. Oui, quand on visite ces jardins, on est impressionné par quelques morceaux de quelques pierres et puis des sables autour qui est ratissé chaque matin. Et il y a une force qui émane de ces œuvres qui sont de voir grandes, larges comme cette salle. Et ça m'a touché énormément. J'ai dit là, il y a beaucoup de choses qui sont dites, le fait que ça me touche profondément, mais avec grande simplicité. Et je me suis dit à un moment, c'est même l'artiste qui l'a inventé, il voulait évoquer le Japon, qui est un rocher autour de l'eau. Et en venant, j'y pense toujours à ces images, et puis un jour, un éditeur qui me demande si j'ai un projet de livre, prendre l'histoire de Sindbad le marin, où il a visité beaucoup d'îles où on voit des rochers et puis il y a de l'eau autour. Et c'est comme ça que j'ai fait l'illustration de Sindbad le marin. Il y en a certains qui sont influencés par le jardin. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, que vous prenez l'image du jardin zen et c'est. Ça s'est connecté avec les histoires, les contes de l'île et nuit de Sindbad, et que vous avez vu l'île entourée par l'océan de Sindbad dans le jardin zen. C'est
c'est vraiment une confluence des deux cultures, vraiment. Vous savez, je ne crois pas qu'il y a des peintres qui peuvent sortir de la poche toujours des images ou des inventions. C'est une lutte, c'est un combat et c'est une responsabilité. Donc on va se ressourcer. Et moi, j'ai étudié l'art occidental pendant 5 ans à l'école des Beaux-Arts. Je m'intéresse à l'art islamique, je m'intéresse à l'art égyptien, antique, et donc le Japon. Mais tout ça, c'est des sources qui nous nourrissent. On essaye de faire quelque chose où, à la fin, on est satisfait. On a aussi ces. C'est un peu la même. Ouais, c'est une autre page. On a aussi ces. Le même répété tout petit à côté pour évoquer qu'il y a quelque chose de loin et un autre proche. Voilà, on a fait le tour de on a parlé de technique et style, la différence des instruments, la différence du papier, charge d'énergie, souffle que vous avez, comme vous avez dit, charge d'énergie est très différent. Le côté tradition arabe, c'est plutôt, je ne sais pas. C'est-à-dire que l'art arabe correspond à la société ancienne où c'était très lent. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses dans la musique, dans l'architecture. On n'a pas encore. On est à la recherche d'un renouvellement de ce qu'ils ont laissé les anciens. Voilà, différentes vitesses, pression, mouvement, ou manque d'encre. Dans la tradition arabe, il ne faut pas avoir le manque d'encre. Ouais. Dans la calligraphie japonaise, le manque d'encre elle-même participe dans le mouvement, dans la profondeur, dans le dynamisme d'un livre. Et voilà, nous avons parlé aussi de composition, comment le mot joue un rôle pour évoquer une image. Je crois que pour moi, quand je vois des signes en japonais, je vois toujours un centre et il y a quelque chose qui explose à partir de ce centre. Il y a une énergie qui part d'un centre toujours. Tandis que les mots en français, en arabe, en hébreu, qui utilisent autour de la Méditerranée les caractères, l'alphabet, ben, on ne peut pas avoir ça. C'est une prononciation. On cherche des lettres qui évoquent les prononciations d'un mot. Voilà, c'est. On va juste. Là aussi, oui, on voit le centre, vraiment le centre, et puis les lettres qui tournent, oui, autour de ce centre. Puis toujours, il faut qu'il y ait une dynamique, donc pour ça j'ai mis une lettre diagonale. Et ça, j'ai appris que tout le. Par exemple, Michel-Ange, il dit à ses élèves, quand tu dessines un nom, fais qu'il y a un bras qui avance, un autre bras qui recule. Mm-hmm. Et le peintre chinois, il dit à son élève, quand tu fais des nuages, il faut d'un côté comme s'il avale quelque chose, et puis de l'autre côté, qu'il jette quelque chose. Donc c'est ça qui crée la dynamique. Sans dynamique, on n'est pas attiré par des formes, ça devient comme des ornements du mur qui sont répétitifs. Voilà. Alors, et pour le contenu, vous êtes inspiré par des phrases de haïku, des sagesse japonaise, et aussi pour le style des dessins de Rokusai, et aussi vous m'avez parlé de que vous étiez très inspiré par l'éloge de l'ombre de Tanizaki. Oui, parce que le traducteur s'appelle Rine Sefer, sa femme, c'était des amis à moi, ils avaient une maison d'édition qui sont morts maintenant, ils avaient une maison d'édition à Royal, et ils ont diffusé ces livres, on l'imprime chaque année en France, c'est très, très dur ces livres. Alors, vous pouvez, on vous a discuté.
vie qu'il a eue. Alors ça c'est... Mais là je voulais juste signaler quelques livres. Par exemple, Sindbad le marin, c'est le livre de Sindbad, le conte de Sindbad avec des illustrations faites par M. Massoudi. C'est écrit le bateau, là. Il le voit comme bateau. Ah oui, 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 c'est un bateau. J'aime bien ce livre. Et aussi, c'est un catalogue le plus récent de l'exposition. Dernière expo que j'ai fait à Londres, il vient de terminer. Oui, voilà. Et vous pouvez voir si je sors. Voilà. Oui. Voilà, ça c'est le site de. Octobre Gallery, et malheureusement c'est fini l'exposition, oui. C'était jusqu'au 27 janvier, oui, c'est malheureusement c'est fini, mais vous pouvez voir là c'est l'étoile, oui. Et là la première qui est là, voilà, si on peut la garantir, voilà. Là j'ai pris un bout de moquette et j'ai graffé sur un morceau de bois qui est là à peu près 30 cm. Je trempais dans l'encre et j'ai écrit avec ce bout de moquette agrafé sur un morceau de bois. Mm-hmm. Et c'est écrit de mon bonheur, c'est une phrase de Jacques Prévert. Mm-hmm. Il dit même si le bonheur t'oublie un peu, ne l'oublie jamais tout à fait. Mm-hmm. Alors, c'est pas seulement des haïkus et des phrases japonaises que vous utilisez, mais aussi vous prenez aussi des... Moi, souvent dans les expos, on me dit mais il y a l'Orient, il y a l'Occident, il y a le présent, il y a le passé. On a l'impression, ces hommes, ils disent toujours, ils sont tous d'accord entre eux. Et j'espère. Voilà. Alors, vous pouvez voir chez vous, sur ce site, des œuvres de M. Massoudi qui ont été exposées à Londres. Alors ça, c'est aussi très différent de ce que nous avons montré aujourd'hui. Ça, c'est sur une toile d'un mètre sur un mètre. Mm-hmm. Et voilà, aussi, je peux... Attendez, voilà. Voilà. Là, alors, il y a d'autres. Et si quelqu'un s'intéresse à avoir possédé une œuvre de M. Massoudi, je pense qu'on peut encore contacter le galerie et... Oui. Si c'est pas écrit vendu, c'est pas si c'est pas écrit sur le vendu, ils ont quelques toiles encore, j'ai compris. Oui, et voilà. Il y a aussi des poèmes arabes ou des phrases françaises traduites en arabe. Voilà. C'est dommage que je n'ai pas pu aller voir le... Voilà, l'exposition. Mais voilà, c'est ça. Et donc, pour votre calligraphie, c'est... Alors, à part notre musée à Osaka, dans les collections publiques, il y en a... une vingtaine, j'ai vu, il y a une vingtaine de musées et des villes, des médiathèques publiques qui possèdent, qui ont dans leur collection votre œuvre, aussi au British Museum et aussi par exemple aux États-Unis, Cleveland Museum of Art, et aussi dans les musées de Moyen-Orient aussi, vous avez... Oui, Sharjah, et Saudi-Arabie, et voilà. En France, où est-ce qu'on peut aller pour voir... Bon, pendant tant d'années, je fais un jour par mois à porte ouverte. Mais là, j'ai pris ma retraite, je commence à fatiguer. Parce qu'on ne peut pas gérer cette situation si on fait une information, l'atelier, puis il y a beaucoup de monde, des fois. Alors,
reste encore sur notre site, on a mis quelques dates, et puis je crois qu'on va s'arrêter cet été. Mm-hmm. Voilà. Alors, on a peut-être 5-10 minutes pour avoir des questions de l'audience. Monsieur Massoudi, si quelqu'un... Voilà. Bonjour. Dans la tradition des calligraphes arabes, ils donnent toujours une signature à leurs disciples. Ça veut dire qu'ils donnent un genre de diplôme à leurs disciples. Est-ce que vous avez des disciples actuellement? En fait, c'est ce qu'on appelle l'ijaza, qui est une sorte de diplôme. C'était, pour moi, il reflète un peu la société arabo-islamique du 19e siècle. Parce qu'il y avait des règles, un peu comme l'Académie des Beaux-Arts en France au début du 20e siècle. Et les élèves, c'est le maître qui choisit ses élèves. Ils vont travailler chez lui pendant des années, puis un jour, ils signent en bas d'une de la calligraphie et ses signatures. Il lui donne le droit de recevoir des commandes, d'enseigner la calligraphie et de signer ses calligraphies lui-même. Mais ce système, pour moi, est écroulé avec le croulement de l'Empire ottoman. Parce qu'il n'a pas évolué. Il a resté très fermé. Et là, maintenant, il y en a des personnes qui pensent que ce système peut retourner. Mais je ne crois pas vraiment de la même efficacité que le temps ancien. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, tu vois, dans la calligraphie japonaise, il y a 4 raisons. Et pour nous expliquer dans la calligraphie arabe, qu'est-ce que... Oui, c'est vrai, savoir dans la calligraphie arabe, quels sont les éléments très importants. Est-ce que c'est le papier, le canard? Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Oui, je répète, dans la calligraphie japonaise, il y a 4 raisons, le pinceau, le papier, l'encrier et le sceau. Et quels sont les éléments importants dans la calligraphie arabe? Si vous voulez, vraiment, le taille de kalam, c'était quelque chose d'important, les préparations de l'encre, mais traitement des papiers. Mais tout ça, si vous voulez, maintenant, à notre époque, à partir de, on peut dire, du 20e siècle, hein, on n'applique plus. Il y a beaucoup de calligraphes qui disent, ah, mais l'encre qui est faite en Allemagne, on appelle ça l'encre de Chine, mais on va se mettre en Germanie. Et ils me disent, mais c'est un encre indélébile, c'est bien. Mais c'est dans la vérité, pour moi, les encres qui les préparent, les calligraphes, eux-mêmes, c'est un hier. Parce que quand on prend des calligraphies très fines, très minces, avec l'encre qui était faite en Allemagne, le début, il arrondit le panet. Donc, les belles calligraphies, il faut préparer soi-même les encres. Il faut préparer, tailler lui-même, apprendre à tailler sa kalam. Et donc, les papiers, on les traite avec de l'un d'œuf et de l'un. Il y a là beaucoup de... En formation, ça dépend des régions. Parce que dans le passé, quelqu'un approche de la Chine, influencé de tradition chinoise. Quelqu'un en Andalousie, il est influencé de l'Occident. Donc on a dans l'information sur la calligraphie, il y a des matières différentes d'une région à l'autre. Mais ils ne sont pas codifiés comme au Japon, en Chine. C'est une deuxième question dans la calligraphie japonaise pour sentir très clair et net la notion du ki, énergie. Et dans la calligraphie arabe, si j'ai bien compris, ça c'est plutôt les formes, les compositions qui dégagent des émotions. C'est vrai, c'est que vous dites que dans la calligraphie arabe, il y en a peu de calligraphes qui réussissent sur chaque siècle pour évoquer dans leur geste cette énergie. On a par exemple au 19e siècle un calligraphe qui s'appelle Aqim, qui a vécu à Istanbul. Quand on voit sa calligraphie aujourd'hui,
en bois, c'est magnifique. Et ils nous ont dit, mais il a travaillé avec des architectes, et c'est imbibé de géométrie, et quand il calligraphie, il possède déjà l'espace, la forme géométrique, mais en même temps, les tracés, il les nourrit de forces. On a d'autres calligraphes au 16e siècle aussi, quelques-uns comme ça. Mais c'est très difficile de juger comme ça en généralité. Il y a des calligraphies qui sont cachées dans les musées, on ne les voit pas encore, malgré que la facilité d'image aujourd'hui, quand on voit d'un pays à l'autre. Donc on peut pas, moi je ne peux pas juger vraiment toutes les calligraphies arabes, parce qu'il y a beaucoup qui sont cachées, qui sont fragiles, on ne montre pas facilement. Je me rappelle, j'ai participé à faire des animations dans une exposition en 1984, je crois, au Grand Palais, qui s'appelle Suleiman le Magnifique. Et là, j'ai découvert des calligraphies très belles qui étaient cachées dans la collection française. C'était de courrier qu'il envoie Suleiman le Magnifique pour François Ier, le roi de France. Mais ils ont sorti une seule fois. Et c'était des rouleaux qui font pas voir, mais chaque fois, ils étaient dans des vitrines. Donc, il faut attendre encore pour voir un peu plus et pouvoir juger réellement. Merci beaucoup, maître. Et dernière question, est-ce que vous pensez que dans vos calligraphies, noir et blanc, ça suffit ou il vous faut les couleurs? Pour moi, je dis dans les noirs, il y a tous les couleurs, comme dit Coco Chanel. Bouffon, quand il dit à ses amis, vous avez le droit de choisir la couleur de votre voiture à condition qu'elle soit noire. Mais comme je vous dis, on vit toujours sur une pression sociale. Moi, ça fait 40 ans que je me déplace avec des stages, à exposer, avec des conférences, à exposer. Et comme je vous dis tout à l'heure, qu'on me dit, ah, les noirs, ça évoque des images tristes, anciennes des grands-pères ou grand-mères, qui est accrochées au mur. Donc, et puis, je viens peut-être aussi d'une zone où il y a beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, et tout est coloré, le fruit, les objets. Donc, peut-être malgré moi, ça sort les couleurs. C'est vrai, je dévisse trop les couleurs. Oui, c'est très coloré. Ouais. C'est moi qui aime le noir et blanc, mais il y a. Enfin, jaune est aussi très bien. J'ai entendu un peintre qui dit je suis un homme de couleurs. Et est-ce que vos couleurs correspondent à des couleurs islamiques, islamiques? Si vous voulez, j'ai essayé deux fois, par exemple, le bleu. On a 4-5 pigments différents dans le bleu de céramique. J'ai essayé moi-même de le retrouver un peu. J'utilise beaucoup des ocres naturels aussi. Et ça, on le retrouve dans le passé. J'essaye de trouver des couleurs qu'on cherche, que tu n'as jamais vues. Parce que c'est moi qui fais mes couleurs. Comme dans la cuisine, si vous voulez, on achète les ingrédients, on prépare les nourritures. Moi, j'achète des pigments de sortes différentes, je les mélange. Et c'est comme ça que j'ai fait ma voilà, couleur. Vous voyez tous les pigments. Mmh. Voilà, derrière moi, là, il y a... Il n'y a pas moyen de faire... Mais voilà, vous avez votre atelier et plein de couleurs. Quand j'étais à l'école de Beaux-Arts de Paris, j'ai cherché des pigments. Il y avait à Paris deux ou trois boutiques qui vendaient des pigments. Il y en a un qui s'appelle Charbonnel, en face de Notre-Dame, qui est disparu, la boutique maintenant. Il y a un qui s'appelle La Momie, qui était près de Strasbourg-Saint-Denis. Et un jour, j'étais, donc il y a 40 ans à peu près, j'étais des couleurs, des pigments. Il m'a dit, vous ne voulez pas acheter ma boutique? J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, je pars à la retraite et je ne trouve pas un acheteur. Et puis un jour, il y avait un musée qui est maintenant à Marseille, mais qui était à Bois de Boulogne, il s'appelle Musée des Arts et Traditions Populaires. J'entre dans ce musée et je trouve toutes les vitrines de la momie qui étaient achetées par le musée. Merci beaucoup, M. Massoudi. C'est moi qui vous remercie, vraiment. Le contact avec vous, ça m'a apporté énormément. Ça m'a éclairé dans mon travail. Moi aussi, je vous remercie. Et je vous remercie, l'audience, d'être venue.
Alors, soyez prudents pour votre retour chez vous et ne tombez pas. J'espère que il ne faut pas appliquer le méthode de calligraphe japonais, il faut appliquer le méthode de calligraphe arabe.